La fille du prince Harry, Lilibet, devrait rencontrer son homonyme la reine dans des semaines, a déclaré un initié royal. Le duc et la duchesse auraient contacté le monarque pour organiser une réunion avant le baptême de Lilibet. Harry a téléphoné à la maison alors que la famille royale se prépare pour le grand événement, mais la demande a suscité l'indignation, selon le Sun. Harry et Meghan ont fait cette offre, mais beaucoup de gens sont choqués par le culot, a déclaré une source au Sun. Ils peuvent vraiment vouloir voir la reine, mais cessent à couper le souffle compte tenu de ce qu'ils lui ont fait subir cette année. Le personnel de Sa Majesté n'a pas encore répondu. En fait, il y a également eu des discussions sur Noël, et si une invitation devrait être envoyée à Harry et Meghan, après qu'il en ait rejeté une l'année dernière. Cependant, la source a ajouté que le monarque aime voir Harry et ses deux arrière-petits-enfants. Les Sussex se préparent à faire le voyage au Royaume-Uni depuis leur domicile californien, où ils résident depuis qu'ils ont cessé d'être des membres actifs de la famille royale en 2020. Point, point. Le baptême du nouveau-né Lilibet pourrait avoir lieu au château de Windsor, mais aucune déclaration officielle n'a confirmé le lieu. Harry et Meghan ont accueilli leur deuxième enfant en juin et l'ont nommé Lilibet Diana, un doux clin d'œil à la mère et à la grand-mère de Harry. Le Sun a découvert que le duc et la duchesse de Sussex avaient offert à Sa Majesté la chance de rencontrer Lilibet dans les semaines à venir. Ce retour inattendu sera le premier voyage commun du couple au Royaume-Uni depuis mars dernier. Le prince Harry était pour la dernière fois en Angleterre en juillet pour le dévoilement d'une statue de la princesse Diana dans les Sunken Gardens du palais de Kensington. Au cours de son voyage, il a retrouvé le prince William alors qu'ils dévoilaient ensemble la statue de leur mère, mais des rapports révèlent qu'Harry n'a pas vu la reine lors de ce voyage. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.